a une règle de base, je dirais, à connaître. C'est l'établissement de ce qu'on appelle un business plan. Donc ça vaut pour toutes les créations d'entreprise. Et la franchise est un mode de création d'entreprise comme un autre. Il y a simplement un intervenant supplémentaire qui est le franchiseur, qui apporte son expérience. Donc, pour financer son projet, la première brique, c'est l'établissement du business plan. Donc, le business plan, c'est quoi? C'est une description du projet, c'est une description du franchisé, son expérience, sa légitimité, je dirais, dans ce projet, son expérience, sa formation, sa capacité à manager du personnel. C'est également la présentation du franchiseur, son organisation, sa marque, son savoir-faire, tout ce qui est derrière son concept. Et une présentation, plutôt qualitative du projet. Ensuite, une présentation quantitative du projet, du chiffre d'affaires qu'on va générer, de la marge, comment on va financer tout ça. Voilà. Donc le business plan, c'est, on raconte toute l'histoire de l'entreprise avant qu'elle... comment on l'envisage, avant qu'elle ne soit née, en fait. C'est une histoire commune à un moment donné entre un franchiseur, un candidat à la franchise. Donc ces gens-là vont se mettre autour de la table et vont essayer de bâtir un projet. Il faut décrire ce projet, il faut aller soutenir à la banque pour obtenir l'emprunt. Donc le plus on va travailler les hypothèses d'exploitation, le plus on va travailler les données chiffrées, le franchiseur doit vraiment faire sien toutes ces données pour pouvoir les vendre à la banque ou à d'autres partenaires financiers, forcément. Il y a des financeurs, autres que les banques. C'est vraiment la première phase, obtenir le financement par emprunt. Et derrière, assurer la pérennité en suivant la réalisation des objectifs. Voilà. Il faut que l'histoire réussisse. Et voilà, c'est vraiment un challenge et vraiment un travail d'équipe pour que ça se concrétise et que ça se passe très bien, quoi.